Le numéro 5, il s'appelle Troll de Candale. Il est présenté par Yann de Kersabiec et Catherine, son épouse. Les éleveurs d'illusions sauvages, c'est un fils de Saddam Maker et talons aura Cercy dans la Nièvre. Origine tout à fait remarquable, car ce troll de Candale est le frère d'un étalon qui a marqué l'histoire des Anglo-Arabes, c'est-à-dire Gnome, également le frère de Red Rowan, le prochain, et Fairy Tail, plus récemment, lauréat du Grand National des Anglo-Arabes à Toulouse. Marcher, s'il vous plaît. On va marcher. Alors, ce numéro 5 est aussi de la toute proche famille de Illusion Sauvage. Regardez sur le pedigree. Numéro 5, c'est sous la deuxième mère, on trouve Illusion Sauvage, gagnant du prix du ministère de l'Agriculture 2013 à Tarbes, et tout récente lauréate du Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp, l'Arc de Triomphe des Anglo-Arabes sur le plat, Illusion Sauvage. Donc voilà, la meilleure souche du haras de Candale, de chez Yann de Kersabiec. On trouve aussi l'angoisse du Barp, gagnant du prix d'élevage d'Anglo-Arabes à Toulouse. Voilà, c'est la famille de Candy Boy. Merci au numéro 46, on va appeler une nouvelle femelle dans le ring des femelles. Voilà, il y en a une qui arrive.